Allez, salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle course en ligne. On est du côté de Spa avec la Formula sur Pékin. On a pu trouver une session sympa. Et on va terminer ce tour-ci et lancer un dernier avant la fin de la qualif. On devrait passer tout juste. Allez, on est dans le raidillon, on soulage. Alors évidemment, la particularité de ces Formula, c'est KERS et DRS. Et on va voir comment on peut s'en sortir dans une petite course qui, je crois, doit faire quelque chose comme 6 ou 8 tours. On va faire cette première tentative. On freine pour les combes. On va voir ce que peut nous donner ce chrono. Alors ça fait longtemps que j'ai pas piloté de Formula sur Pécard. Oh bah voilà. Allez, une brouette de broyer et un tour de foutu. Ça c'est dommage. On rectifie un peu les cônes à la sortie du Speaker's Corner. Je vais rester un petit peu... Ouais, je pense que je pouvais passer en 6, faudrait que je m'habitue, mais j'ai tellement plus piloté depuis longtemps sur Pécard et surtout cette voiture. Alors évidemment, les courses en ligne deviennent rares, vous le savez. La raison à ça, bah, c'est pas plus compliqué que y a tellement de gens en lobby ouvert qui ne comprennent pas le principe que c'est difficile de vous produire beaucoup de numéros. Oh, et ben voilà. Allez, en première, on repart, on essaie de pas gêner autour de nous. Bon, il va nous rester, je crois, le temps de faire un tour après celui-ci qui aura vraiment été mauvais. On aura fait pas mal de fautes. Je pense que le prochain, si on se concentre, peut être pas mal. Avec le KERS et le DRS. Je pense que le KERS, je vais le conserver pour la montée de Blanchimont la plupart du temps ou de Kemmel. Parce que là, difficile de l'exploiter ailleurs. Au passage, je vous rappelle que vous pouvez toujours vous rendre dans la description pour trouver le lien Ulule qui vous permet de participer au crowdfunding pour la création de la TV, enfin du studio Maxoul Pilote pour 2017. Toutes les infos sont dispo là-bas. Allez, on se plonge désormais dans la qualif, on sort bien de la source, on a piste libre. Allez, on passe les vitesses. L'attaque du raidillon. Ah, j'ose pas passer en 7, j'ai peur d'être embêté en haut. On rouvre le DRS, voilà. Dans la montée du Kemmel. Allez, on est pas mal, on est 12ème avec un chrono, 13ème avec un chrono raté. Freine, on est déjà en retard dans le premier secteur, mais c'est pas grave, ça n'est qu'un 10ème. Si on peut faire un tour propre, on devrait être bien mieux. 14ème maintenant. Allez, la sortie des combles, j'espère passer la 4. Voilà, 5 avec le DRS. 3, 2. Ça va, j'ai pas bloqué les roues cette fois-ci, je risque de bloquer plusieurs fois pendant la course. On sort un peu large, c'est pas grave. Alors que maintenant, il y a du clipping des arbres dans Project Car. C'est devenu catastrophique, cette histoire. Il n'y avait rien eu pendant toute une époque. Maintenant, on retrouve du clipping de certains éléments. C'est assez marrant. Allez, je repasse en 5. J'aurais pu rester en 6 encore ici. Je pense que je le ferai en course pour soulager le moteur de passer en 6. Allez, en fond de 7. Allez, en 3ème dans le pif-paf. Drapeau vert. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas vu. C'est pas grave. Oh, tout juste ici au gravier. Allez, la dernière partie est délicate. Le raccordement. Allez, on améliore d'une seconde 5. Évidemment, on fait pas de faute. La remontée de Blanchimont. On n'a plus de KERS. On va refermer le DRS parce que normalement, ça ne passe pas dans le deuxième gauche ici. Ouais, si c'est passé, ça va. Fallait le tenter maintenant, sinon c'était trop tard. Il reste 30 secondes. On va pouvoir finir la séance. Ah, on bloque les roues, bus stop. Allez, on perd un peu de temps. Allez, faudrait qu'on se place dans le top 5. Ce serait pas mal avec un tour propre, même si là, je le sens pas trop. Freinage de la source, puisqu'ici le départ ne se fait pas côté F1. On rebloque de nouveau. Mais côté descente. Allez, oh, attention, la dernière. On perd encore du temps. Dernière accélération, ça va être la fin de la séance. Il va rester 10 secondes. Le chrono. Allez, au moins top 5. Oh, P3, magnifique. On est 3ème. Eh bien, dites donc, il y a l'air d'avoir du niveau dans cette session, ça promet. Et les résultats donc de la qualification où nous sommes 3ème. Alors, oui, j'ai changé mon pseudo provisoirement en Magic Senna. Évidemment, mais je retrouverai Maxoul Pilote rapidement. Let's go.
Allez, le pied sur le frein. Parce qu'on est dans la descente. Il y en a quelques-uns qui vont sûrement se faire avoir. Allez, c'est parti. On a du mal de passer la vitesse. On ouvre le DRS au pied du Raidion, mais ça devrait passer. J'espère qu'il y a du monde. Attention à gauche, ça revient très fort. On est large. On ne prend pas de pénalité. On perd la deuxième place. Va-t-on perdre la troisième? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un sur la gauche. Pour moi, il n'y a personne. Non, ça a l'air d'être propre. Allez, on se remet sur la bonne trajectoire. On va devoir freiner maintenant pour les combos. On est troisième. Oh, le contact entre les deux leaders. Et on peut en profiter pour reprendre la deuxième place. Magnifique. Allez, on est pas mal. Oh, on s'est bien envolé. Attention ici, un des points où on peut avoir quelqu'un qui nous freine dedans. L'intérieur, il est complètement dehors à Bruxelles. Et on passe au milieu. Est-ce qu'on peut réaccélérer? Non, il est mieux, évidemment. Et là, il va avoir l'avantage au speaker's corner. Est-ce qu'on peut garder l'extérieur? On est sur l'astroturf. On peut pas réaccélérer. Derrière, il est loin. Allez, 3 dixièmes. On a quelqu'un qui doit pas être loin de nous. Je sais pas s'il est sur la gauche. On essaie de passer en 6 ici. Ça va, on a soulagé. C'est pas mal. Oh, le leader qui est parti au large au niveau du vibreur. Allez, est-ce qu'on peut peut-être prendre la tête de cette course à Spa? À l'extérieur, dans le pif-paf, allez! Ça peut passer. On a l'avantage, mais il relance mieux. Et on est en tête, je pense, mais ça va pas tenir. Oh, le contact, il nous touche! Il nous a touché 2-3 fois, mais on est devant. Ça y est. Alors que... Oh, je viens de me louper complet. Et de... Oh, le contact! Oh là là, il faut que je me calme, parce que là, il y a du monde et on est obligé d'observer un arrêt dans cette course. Je ne vous l'avais pas dit. Deux roues dans l'herbe, attention, on passe au niveau de Blanchiment avec le DRS ouvert, on perd la voiture. Oh, on s'en sort très bien. À 5 secondes de pénalité, mais c'est pas cher payé après la frayeur que je viens de me faire. Bon, écoutez, on va rentrer au box, comme ça on n'aura pas perdu trop de temps. Allez, le pilote devant nous rentre également. Oh là là, quelle frayeur à Blanchiment. On aurait cru Max Verstappen au Brésil en train de récupérer sa voiture. J'ai oublié de fermer le DRS. Et j'ai été déventé, donc j'ai perdu énormément de temps. Alors l'avantage, c'est que dans les stands de chez Project Cars, c'est tenu... Ah dommage, on perd du temps ici, mais c'est tenu par l'IA. Petit moment de pause. Bon, écoutez, ça s'est bien passé pour ce départ. On n'a pas de consommation de carburant, ce qui est un peu dommage, ni de pneus, mais bon, ça devrait être pas mal. Allez, on perd pas trop de temps, on repart derrière ces deux voitures-ci. On peut jouer, je l'espère, le podium. On va voir après si ça peut bien tourner. Allez, on est libéré des box, on est 14e. Attention parce qu'il y a un pilote qui va nous passer sur la gauche. Il y en a une voiture qui est restée sur la grille là. Et dorénavant je pense qu'au Raidion et à Blanchiment je vais passer. Voilà, DRS fermé. Parce que sinon ça risque d'être compliqué. C'est compliqué pour le garçon devant. Allez, salut, à plus en LAN, merci d'être passé. Et maintenant à nous de faire les chronos pour attendre que tout le monde fasse son arrêt en tête et remonter peut-être dans le top 5. Allez, on freine alors qu'on a eu un petit succès sur Pécard 3 ans après la sortie, rendez-vous compte. Alors qu'en parlant de sortie, c'est difficile ici. Oh, attention. Je pense pas que j'avais l'opportunité de passer ici sur Chris Wills. Oh, il freine en plein milieu de la piste. Je vais prendre une pénalité. Non, ça va, mais j'ai perdu beaucoup de temps. Oh, et j'ai failli perdre aussi la voiture. Derrière, on n'a pas la patience d'attendre que je me remette en ligne. Il faut qu'il bouge rapidement, celui-là, parce que sinon, on va se le payer alors qu'il commence à y avoir des nuages, voire du brouillard. Ça se passe, ça n'a aucun sens. Allez, la descente du pont reste en 6. Je vous l'avais dit, on va soulager un peu le moteur. Oh là, c'est au ralenti, ça a dû couper, ne me coupe pas la trajectoire. Voilà, formidable, on place la voiture dans le top 10. Allez, c'est bien, on a effectué notre arrêt dans le top 10. Oh, ça sort devant la sortie du pif-paf. Attention, est-ce qu'il nous a vu de roue dans l'herbe? Oh non, au moment de freiner, j'ai soulagé à la limite. On est 9e devant Sentinelle, mais c'était chaud parce que là, il n'y avait pas beaucoup de place. Alors j'espère qu'il ne va pas pleuvoir parce que j'ai pas du tout prévu les pneus de pluie pour l'arrêt au stand. On va voir ce que ça donne cette fois-ci. On va, voyez, refermer le DRS, j'espère. Allez, hop. Ah là, et ça passe mieux au niveau de Blanchiment. Les autres pilotes vont commencer à faire leur arrêt au stand. On est avec Elton, 13 devant nous. On bloque les roues lui aussi. On manque de le percuter. Je crois que c'est le garçon avec qui on était rentré tout à l'heure au box. Il y en a un qui s'est loupé aussi à la sortie. Ça commence à déraper pas mal en réaccélérant sur les vibreurs. Rien à gauche, rien à droite. On continue dans cette épreuve de Spa. Deuxième tour au devant. Il le touche, il le pousse. Est-ce qu'on peut en profiter? Et ils sont tous les deux à la faute. Et un dans le mur. Et voilà, dans la descente, on va peut-être pouvoir attaquer avec la montée du Kemel. On va récupérer, voilà, le Kers avec le DRS. On va soulager ici. Voilà, on passe maintenant pied à fond quasiment dans l'eau rouge et le Raidion. C'est parti, on libère le DRS et maintenant le Kers. Il va mettre tout seul 4 roues dans l'herbe, le garçon. Allez, on est à fond. On espère aller au 335. On est à 332. Et on freine au combe à l'extérieur peut-être. Ce serait osé, non? On se ravise au dernier moment, mais là, c'est étendu. Belle course pour l'instant, assez propre, il faut le reconnaître. Alors que devant, ça part encore à la faute. On a pu remonter P8 avec les différents arrêts de chacun et les erreurs. On bloque les roues à Bruxelles, on est pas mal, on est rapide. À l'intérieur peut-être, sur la voiture devant nous, ça passe pas.
Oh, et là, on est en train de broyer la boîte de vitesse. J'ai fait une petite bêtise, là. Dans le speaker's corner, mais ça va. Pas de dégâts, moteur activé. Allez, on continue avec le double gauche. Bah, les pneus avant qui sont froids, malheureusement, on perd beaucoup de température avec la météo. Et là, il zigzag complet. J'ai cru que ça n'allait pas passer du tout. Il y a des voitures dans le gravier. Il nous touche. Encore et encore. Et on peut passer finalement. L'enchevêtrement des roues dans Pécard, c'est toujours compliqué. Et là, on était à l'intérieur. On est passé. On a perdu une petite seconde 6, mais c'est pas grave dans ce secteur-là. Mais quelle récupération dans Blanchimont. Incroyable. Je m'en remets pas que j'ai réussi à la tenir en contre-braquant, celle-là. Au même prix, j'étais dans les pneus à droite. Allez, Blanchimont, justement. Je ne me fais pas voir. Hop, on ferme le DRS. On ressort ici. Ah, on est rapide, hein, c'est pas mal. P6 maintenant. Oh, et on bloque. Et il nous emmène avec lui dans son erreur. Est-ce qu'il doit rentrer au box? J'espère pas. On prend l'extérieur. Non, ça va. Et est-ce qu'on peut passer P5? Attention. Il est où? Est-ce qu'il est? Ah, ça va, il est derrière. Et on est P4 maintenant. Quatrième position. Dans la descente, allez, on est à un tour de la mi-course. Oh, le sous-virage, ça va. Oh, la petite pénalité. Bon, on est P4. Au terme des différentes bagarres, c'est pas mal, je trouve. Bon, on est un peu plus lent, mais c'est pas grave. On est un peu dans un no man's land. Il y a l'air d'avoir 2-3 ovnis qui roulent devant nous. Alors peut-être que ça n'a pas encore stoppé non plus, parce que l'écart a l'air vachement important. 30 secondes d'avance à la régulière, je pense que je les ai pas perdus en tout cas sur eux en si peu de tours. Donc je pense qu'on n'est pas si mal que ça. On a peut-être un podium au bout, ce serait pas mal. Alors qu'on a perdu beaucoup de pilotes, on était parti je crois à 19 ou 20, on est 14 maintenant. Ça soulage dans le double gauche. Ça enchaîne bien dans le pitstop. Franchement, c'est pas mal. On va essayer de voir si on peut retrouver ma... Oh ! Évidemment, il faut que je me déconcentre pour faire des bêtises. On va essayer de retrouver Max pour tourner quelques courses en ligne sur Pécard, même si en ce moment, on a tous les deux un gros agenda. Avec la fin de saison, c'est parfois un peu difficile de tout organiser. Avant la finale, notamment au NURB, une mise à jour Race Room pour lui. Les différents events pour moi entre le Deserbus, le crowdfunding et d'autres choses, il y a pas mal de choses à faire et se retrouver parfois compliqué, comme avec Dopamine pour du Motorsport Manager, je lui ai promis depuis longtemps. Et c'est parfois difficile de se mettre malheureusement d'accord. Oh, allez, on bloque les roues. Et on est toujours quatrième. Alors que je crois que le pilote devant est enfin sorti des box. Bill qui est troisième. Alors c'est pas Bill du Big Deal évidemment, hein. Ne commencez pas vos vannes, je vous vois venir. Allez, on est parmi les pilotes les plus rapides dans ce pseudo Grand Prix de Belgique, qui n'est pas aussi intense que celui de la carrière F1 2016. Mais bon, vous allez vous en contenter je pense de cette course en ligne, qui est jusque là pas mal, hein. On a eu pas mal de bagarres plutôt propres pour le coup, et on peut peut-être aller chercher un podium. J'attends de voir où vont sortir les deux autres. Que pour moi là on est virtuellement deuxième, hein, si je calcule pas trop mal mon coup, alors qu'on a passé la mi-course, je vous l'ai pas dit. Oh, et là j'ai failli aller encore au large. Ça va, la voiture qui est plutôt permissive sur certaines relances ici, avec les aides qui sont restées activées, certaines en tout cas. Alors ce serait bien que la météo redevienne clémente, parce que là mes pneus avant sont nazes au niveau température, la preuve par l'image, puisque je souvire comme c'est pas possible. Une seconde, une, on continue d'améliorer, c'est pas mal ça. Ça se passe bien pour l'instant. On reste concentré, confiant. Allez, un petit peu de soleil peut-être du côté de Blanchimont. C'est peut-être par là que l'éclaircie va percer. On reste sans DRS toujours pour ce virage. Allez, on freine ici. On essaie de ne pas bloquer les roues pour l'instant, ça va. On a un bon rythme. Alors le garçon devant est pas très rapide, on est à 2 secondes d'un potentiel podium. Toujours pas d'arrêt devant, je scrute la pit lane, mais il n'y a personne, donc on est pour l'instant toujours là. Alors je rappelle que si vous ne rentrez pas dans Pécard à Spa, en tout cas dans cette configuration avec le départ arrivé dans la descente, qui est l'unique dans Pécard, eh bien en fait, si vous stoppez
Si vous ne stoppez pas, pardon, au niveau du 8ème tour dans la pit lane, vous êtes disqualifié. Donc il faut rentrer au maximum au 7ème tour, ce qui m'était arrivé dans la, je crois, course en ligne numéro 30 avec la Corvette sur ce même circuit. Alors je tenais aussi à dire que si parfois vous trouvez que ça se répète un petit peu avec les circuits en ligne, c'est pas moi qui fais les sessions. Vous retrouverez malheureusement beaucoup du GT3 ou des formules de ce type sur Pécard parce que eh bien, les dispositions prises par les joueurs sont souvent les mêmes malheureusement. Et comme le manque cruel de joueurs se fait ressentir depuis quelques mois sur ce genre de jeu, eh bien, parfois c'est un petit peu difficile d'avoir le choix. Et en plus que ça se passe bien, pour l'instant bah, c'est le cas, ça se passe bien pour cette course-ci, mais ça n'a pas toujours été le cas par le passé. De nouveau ici, je vais repasser en 5 pour voir si... Oh non, mauvaise idée. Mauvaise idée de repasser en 5. Bon, écoutez, on sera encore bien. Je crois que je vais appeler cette vidéo à l'équerre dans Blanchimont parce que là, on en aura fait quelques-unes. C'est juste... Voilà, la sortie de ce virage-ci qu'aux essais, je crois, en 2014, Verstappen avait récupéré... Non, là, c'est cette année, je crois, Verstappen avait récupéré une magnifique équerre en essai libre. Comme il l'a fait un peu au Brésil, même si au Brésil, il n'a pas vraiment récupéré cette année. C'était un petit peu compliqué pour le fils de Jans, de Bans. Même s'il nous a fait une belle démo. Allez, on sort bien de Blanchimont. On va arriver dans les deux derniers tours. Ça y est, ça rentre, vous le voyez devant. Il y a une voiture qui est en train d'observer un arrêt au stand au niveau de la pit lane de Spa. Et l'autre n'est pas encore rentré, je pense. Voilà, est-ce qu'il va ressortir avec nous? Ça va être intéressant. Voilà, il quitte les box. Et on est pas mal, hein. On va peut-être aller chercher un podium. On va voir comment cette course va se terminer. Non, on est quatrième. Oh, le blocage de roue, ça va pas aider non plus. Mais on tourne bien dans la source. Voilà, il est devant nous. Javi. Ou Jean DH96. On va pas voir s'il y a un I sur son pseudo. Pas grave, le Red Dion. Allez, on n'est pas loin. On est à 2 secondes du podium. Et je pense que les deux devant. Vous savez ma théorie de patience, hein, où je dis toujours laissons-les se tirer la bourre. Nous, on va récolter derrière les bénéfices de leur bagarre. On va voir si on peut assister à ça sans être trop loin pour réussir à être opportuniste. On va essayer de se rapprocher donc du podium. Il reste un pilote qui va devoir ravitailler. À mon avis, je pense que celui-là va être pénalisé parce qu'il n'a pas effectué son pit stop dans le dernier tour. On verra bien. Alors, il va devoir rentrer à l'issue de ce septième. Je sais pas. Je pense qu'il peut encore rentrer à la fin de celui-ci. Sinon, il ne l'aurait pas fait. Alors que le soleil fait son apparition sur le deuxième secteur. Tout va bien ici à Spa. Je pense que Monsieur Météo a un petit peu fait n'importe quoi pour ce coup-là. On reste en 6. Je ne repasserai plus jamais en 5 dans Pouhon, du moins pour cette course. Et regardez, on se rapproche, hein. On reste à 2 secondes, mais visuellement, on a l'impression d'être plus près avec l'effet élastique des virages. Et il va nous rester, allez, un peu plus d'un tour pour tenter notre chance. Et on se rapproche tout doucement devant de la deuxième place. Regardez, ça, on est 2 dixièmes plus rapide pour nous. Même si on stagne à 2 secondes du garçon devant nous. Par contre, derrière, sauf catastrophe, on aura le pied de podium. À moins de faire 3 tonneaux dans le haut du Redillon, ce qui n'est pas impossible, je vous le rappelle, dans ces courses en ligne sur Pécard. La sortie de Blanchimont, je suis accroché à mon volant, bien agrippé alors que le soleil est désormais bien installé dans les Ardennes belges. Allez, l'avant-dernier freinage du bus stop. Ça se passe bien. La relance, on essaie de la mettre bien dans l'axe. Alors, les deux devant maintenant, à vous de vous battre. Et à moi de faire le podium. On va voir. Ce serait bien de faire une troisième place, même si là, je pense qu'à la régulière, les enfants, ça va être compliqué d'aller chercher les deux garçons de devant. Drapeau jaune, ah, il y a drapeau jaune dans le Redillon. Et une voiture qui s'est plantée en haut. Drapeau jaune. Oh, il est au ralenti ou il est arrêté? Oh, il est au ralenti, il essaie de shooter. Tout le monde, on passe à droite. Ah, il a réussi à shooter un garçon devant nous, on va en profiter. Et voilà, on prend la troisième place. Ah, formidable. Et bien, pour une fois que ça ne nous arrive pas à nous, c'est triste, c'est malheureux. C'est injuste, je pense que le garçon derrière nous doit... hurler dans son casque puisqu'il vient de perdre potentiellement le podium. Alors attention, je vais pas faire le malin parce que généralement c'est là où je me fais avoir et je perds ce podium durement acquis. On va aller le chercher, je pense, ce podium. On va oublier la deuxième place, mais voyez, on a malheureusement un mauvais esprit qui est venu shooter l'un des hommes de tête en haut du Redillon. Et ça arrive malheureusement trop souvent. Allez, à l'extérieur, ça passe pas mal, hein. On est bien. Une seconde 4 d'avance, je pense que sauf catastrophe et ouverture du DRS dans Blanchimont, on va faire un podium ici à Spa, ce serait bien pour une nouvelle course en ligne. J'espère vous en proposer un peu plus dans un avenir proche, mais vous le savez, c'est compliqué, je vous l'ai expliqué. Enfin, j'ai failli mettre dedans tout seul comme un grand là, j'ai failli me la perdre dans ce virage là. Blanchimont maintenant, dernier point délicat je pense avant
l'arrivée, à moins que le garçon derrière nous rentre dedans, ce qui ne serait pas le cas vu que ça a l'air d'être quelqu'un de très propre. On devrait terminer troisième, dernier freinage, on repasse même en première, on se paye ce luxe-là puisque derrière c'est propre. Toujours drapeau jaune dans le rayon, je pense que le garçon est désormais arrêté tout en haut de ce virage. Voilà, l'arrivée est donc actée avec un pilote qui a bien dominé. Hein. Il était plus rapide que nous, je pense en qualif de 5 secondes, faudra revoir le tableau après. Et voilà, la descente, et on est troisième, bien voilà, alors qu'il ne reste plus que 11 pilotes. Et bien voilà, la même P3. C'est pas mal, on s'en est bien sorti dans cette épreuve. That's a podium finish. Lovely job. Nice driving. Et après un décompte interminable, voilà enfin le résultat de cette course. J'ai dû, grâce à la magie du montage, vous couper tout ça. Enfin voilà, sympa cette course en ligne sur Spa, ça a été plutôt propre. On se donne rendez-vous très vite pour vivre eh bien, de nouvelles aventures en piste. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. On se retrouve d'ici là. Dans de nouvelles aventures. Allez, à plus les amis, à la prochaine, ciao.